Néerlandaises. Elles confirment de toute façon leur qualification. Elles étaient déjà avec un chrono à 42-15. Elles confirment avec 42-3. En tout cas, ça va être très très compliqué effectivement pour les Françaises de se qualifier. Alors, il reste une possibilité puisque traditionnellement, si je ne dis pas de bêtises, il y a un relais 4x100 à Londres. Oh, oh, ça passe. Ça passe, 6m01. Vous l'avez dit, Romain. Piotr Lisek. Vous aviez raison, Samir. Alors, je l'avais vu en début de concours. Je me sentais un peu moins bien ensuite sur ses premières tentatives. Mais là, c'est son record plein air et indoor confondu. Voilà, cumul, hein, meilleure performance mondiale, record du meeting, national record et personal best. Et là, c'est vraiment la meilleure perf mondiale, c'est ça, Samir? C'est bon, j'ai bon là. C'est alors, la meilleure perf. C'est la meilleure perf mondiale et c'est au quatrième essai parce que c'était un tie break entre Piotr Lisek et Sam Kendricks. Ah ouais, c'était un barrage. C'était un barrage. Un barrage en athlétisme. Ouais, je pensais qu'on descendait d'une barre. Non, bah, on après, refait un essai. Il y a un quatrième essai et ensuite on redescend. On refait un essai à la même barre et ensuite on serait redescendu si les deux n'étaient pas passés. Alors il va gagner le concours avec 5m95, mais par contre, il aura la performance sera homologuée à 6m01. Alors attendez, est-ce que Sam Kendricks, je suis en train de regarder un peu les marques, il a sauté son barrage, Romain? C'est pas sûr, hein. C'est non, pas non, sûr. Non, je pense pas, parce que en tout cas sur l'écran de contrôle, il y a marqué qu'il n'a pas encore sauté. Ah bah, alors Lisek lui a mis une pression énorme. Alors, rien de dire qu'il a envie de passer sur la barre au-dessus. Il va passer la barre. Après, pas sûr. Oh, eh ouais, j'ai bien l'impression que Sam Kendricks, il a encore une chance d'aller chercher Piotr Lisek. Ouais, c'est sport, hein. Non, ah, plutôt qu'il y a pas, non. Je crois qu'il y va pas. Ah, il y va pas. Ah, il y va pas. Ah, il y va pas, Sam Kendrick. Il a vu qu'il l'avait pas dans les jambes ce soir. Il laisse la victoire à Piotr Lisek. Il s'imposera donc. Samir, c'est encore une énorme performance. Hein. Ce soir, il y a vraiment des très très jolies performances et ça en fait partie. Alors, même si il gagnera pas avec cette marque, c'est quand même la meilleure performance mondiale de l'année, Romain. Exactement. Exactement. Ça fait partie de la meilleure performance mondiale de l'année. Quel concours de soi la perte. Oh, mais quel meeting de Lausanne! Quel meeting de Lausanne, encore une fois. Franchement, traditionnellement, c'est l'un des meilleurs du monde. Attends. Il le confirme une nouvelle fois. Et regardez les deux Polonais. Magnifique image entre Lisek et Wojcikowski. Ah, parce que ça, c'est un vrai 6m01. C'est un vrai 6m. Parce que sur 6m de centre commercial, effectivement, c'est en centre commercial. C'est vrai. Dans un centre commercial, c'est sur une piste surélevée, c'est à l'intérieur. Là, c'est en Diamond League. C'est devant avec tous les meilleurs du monde, dans des conditions extérieures. Forcément, ça parle plus. Ça parle plus. Oh, on n'en revient pas.